tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la plume dans Harry Potter. Donc je l'avais mise en décoration, donc elle est comme ça. Donc je vous explique rapidement comment j'ai fait. J'ai pris un truc de calligraphie et j'ai enlevé ça là, juste ce truc, je sais pas comment vous dire, que j'ai enlevé du... Parce qu'il y avait un manche qui était là, donc j'ai enlevé le manche. Ensuite, j'ai scotché tout et j'ai essayé de le décoller. Du coup, ça se décolle comme ça. Enfin, ça s'enlève quoi. Et donc voilà, mais c'est un peu compliqué à vous expliquer. Donc moi, je vais vous expliquer comment faire ça. Donc alors, vous prenez une plume assez grande. Donc vous n'êtes pas obligé d'en prendre une blanche. Hein. Et c'est une vraie, hein, pour en prendre la mienne. Alors, en fait, moi j'ai pris la plume et au bout ça pointait, donc j'ai enlevé et comme ça j'ai un trou. Donc j'ai pris après une mine de crayon, enfin de stylo, et ensuite je l'ai enfoncé dans le trou. Et après j'ai scotché là, comme ça, tout autour. Et du coup après ça écrit bien, je vais vous montrer comment on écrit. Donc voilà. Donc ça écrit assez bien, je trouve. Et donc après moi je l'ai planté dans un truc de pâte-à-fix, mais comme j'avais mis de l'encre avant, bah ça a coloré un peu. Mais c'est pas grave. Donc voilà. C'était pour vous montrer ça. Et ça, c'est super compliqué à faire, mais si vous avez un stylo plume, vous pouvez enlever la plume. Et ce qu'il y a un peu au-dessus, ensuite vous le scotchez bien à ça, mais et vous essayez de le décoller après. Et après, si vous arrivez à le décoller, bah après vous pourrez le re-rentrer tranquillement. Mais si vous n'y arrivez pas, bah vous laissez comme ça. Bah c'était un peu compliqué les explications, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Hein. Et je vous dis à bientôt.